Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On attaque une nouvelle vidéo qui est faite dans le cadre du carnaval d'articles des blogs et des langues. Donc, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que c'est un événement auquel je participe assez souvent. Donc là, on en est à la 11e édition. Le thème de ce mois-ci nous est proposé par Chloé Donin du blog Mordu d'Italie, que je salue au passage, avec comme réflexion imposée: apprendre une langue, ce n'est pas qu'une histoire de grammaire. Bon, évidemment, je dis amen à ça, parce que vous le savez, sur cette chaîne, j'essaye d'aller plus loin que simplement les détails de grammaire et vous apporter une vision, qui est la mienne, en tout cas, que je pense être valable, des langues comme d'un outil de communication et d'une perspective humaine, de l'échange avec d'autres personnes, pas seulement réussir des diplômes, parce que ça, c'est malheureusement comme ça que les langues sont envisagées à l'école, et puis qu'après, par mimétisme, on va envisager les langues tout le temps, et aussi dans le monde professionnel, hein, parce que bon, quand je vois que la plupart des gens en fait apprennent l'anglais en n'ayant pas la vue beaucoup plus longue qu'avoir le TOEIC, c'est des choses qui se cassent la figure derrière moi. C'est le ventilateur d'ailleurs, si vous entendez un petit ronronnement dans la vidéo, c'est le ventilateur qui rend cette vidéo possible, sinon ce ne serait pas possible à filmer. Donc, ce qui est dommage, c'est vraiment de juste penser les langues comme un amoncellement de règles. Juste, il faut apprendre ça, il faut apprendre ça. Mais en réalité, ça va beaucoup plus loin, évidemment. Il y a toute une composante culturelle qui ne peut pas être ignorée. Je dirais même que quand on commence à apprendre une langue, la langue elle-même, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Ce n'est que la chose qui est visible, qui est facile à voir, parce qu'on vous l'a mixée, on vous l'a préparée sous forme facile à manger, entre guillemets, sous forme de méthode, sous forme d'appli, de cours, etc. Vous abordez une langue, vous allez avoir tous les aspects linguistiques en priorité. Et c'est l'approche que j'appelle, moi, cahier de vacances, parce que bon, on est en plein dans l'été, et ça me rappelle ces cahiers qu'il fallait faire pendant l'été, où les matières de l'école se résumaient, langue comprise, à des exercices à faire. Donc, l'approche scolaire des langues, c'est-à-dire juste apprendre des règles, apprendre du vocabulaire, apprendre des règles de grammaire, parfois travailler sur la prononciation, même si je déplore beaucoup que les professeurs ne soient pas plus actifs là-dessus et pas plus durs parfois, hein, je pense que ça ferait du bien. Ça, c'est avoir la vue courte. Et c'est très important de vous intéresser à la culture, pas seulement pour des raisons simplement de hobby, d'intérêt pour la culture, mais c'est parce que ça en fait partie intégrante. Vous ne pouvez pas séparer langue et culture. Parce que la langue, c'est l'une des nombreuses expressions de la culture. Et si vous voulez apprendre une langue, si vous voulez la pousser au-delà d'un certain niveau basique de communication, il faut prendre en compte des éléments culturels parfois très pointus, parfois très précis, surtout si vous voulez vous faire des amis dans le pays, si vous voulez avoir une famille, une belle famille dans le pays, si vous voulez trouver du travail, etc., etc. Si vous voulez un moment vous faire accepter par la communauté que vous avez en face de vous, il faut réfléchir à la culture. Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est plaisant. C'est plaisant parce que ce qu'on appelle culture, de prime abord, ça va être l'art, c'est-à-dire regarder des films, des séries télé, écouter de la musique, je sais pas, aller au théâtre, regarder de la danse locale, etc., etc. Donc vous allez forcément trouver quelque chose qui vous plaît, lié à la culture du pays. Et je sais pas, moi je suis tombé sur plein de choses, par exemple, je m'y intéressais pas vraiment à la base, mais une fois je suis tombé, parce que je connaissais quelqu'un qui co-organisait l'événement, sur un récital japonais avec du shamisen, qui est un instrument à cordes, et finalement c'est une ouverture culturelle, bon qui est pas forcément la culture du quotidien de tous les japonais, mais encore une fois c'est voir la langue dans un certain contexte, qui est pas juste de la communication d'information, mais dans de la poésie, dans du chant, etc. Et ça, c'est une perspective qui est globale et qui va vous emmener beaucoup plus loin que juste apprendre la langue comme un simple outil de communication d'idées froides. Et c'est pour ça qu'il est très important de se détacher du français et de vous détacher de vos réflexes de français, ou de belge, suisse, canadien, etc., selon l'endroit du monde où vous me regardez. Donc c'est très important de vous en détacher. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, on a une tendance qui est normale de faire de la traduction, de plaquer des choses du français vers une autre langue. Et par exemple, faire de l'humour, enfin traduire des blagues françaises qui vont tomber à l'eau dans un autre pays. Pourquoi? Parce que la culture est différente. Il faut vous y habituer
Les étrangers ne parlent pas comme vous, ça c'est la première chose qui est évidente, c'est pour ça que la langue est la partie émergée de l'iceberg. Vous allez voir qu'il y a un mode de communication qui est différent, avec d'autres sons, d'autres règles, etc. Ça c'est facile à voir. Mais en plus, pensez qu'ils ne pensent pas comme vous, et que parfois ils peuvent penser très différemment de vous. Donc si vous apprenez par exemple l'espagnol, il y a quand même de fortes chances pour que les Espagnols pensent à peu près comme des Français. Des Néerlandais pensent à peu près comme des Français. Des Allemands à peu près comme des Français, encore une fois. Et encore, il va y avoir quand même d'énormes différences culturelles. Alors si en plus vous allez chercher des langues très éloignées, comme je sais pas le chinois, là il va falloir faire très attention. Et c'est pas pour rien qu'on parle de choc culturel. C'est parce que quand deux cultures qui sont très éloignées se rencontrent, et il va y avoir une réaction assez forte dans la mesure où la communication va être entravée, non seulement par la langue elle-même, mais en plus par tout un tas de présupposés culturels qui vont sonner faux. C'est pour ça que quand on voit des touristes d'un autre pays, on peut se dire mais ils sont vraiment bizarres ces gens-là. Ou alors à l'inverse, quand on va dans un autre pays, eh ben ils peuvent se dire bah, les Français sont quand même vraiment bizarres, etc. Donc culture et langue sont indissociables. Et d'ailleurs pour vous le prouver, pensez à j'arrive pas à trouver le mot. Des concepts, voilà, des concepts culturels qu'on va utiliser dans d'autres pays et qui souvent ne sont pas traduits, et c'est pas pour rien. Alors, je vais vous prendre quelques exemples. Au Japon, on parle de. Alors j'ai bien noté, oui, c'est bien ça, c'est honne et tatemae. Donc honne, c'est la manière dont vous allez réellement penser, c'est vos propres sentiments réels. Et tatemae, donc mae, ça veut dire devant. Et c'est la façade, où justement, façade, ça se traduit bien comme ça. Et c'est comme ça que vous allez vous comporter, c'est la façade que vous allez mettre devant vos supérieurs, vos collègues, etc. Et ça pose beaucoup de problèmes aux gens qui ont des amis japonais parce que jusqu'à un moment, ils vont un peu tomber le masque et passer en mode honnête, c'est-à-dire en étant plus sincère, on pourra dire. Eh bien, on peut être agacé par la façade très polie, très polissée des Japonais qu'on peut considérer comme fausse, comme le fait que les Japonais vont très rarement dire non, ou alors ils vont le dire d'une manière assez détournée. Où ils vont dire, au lieu de dire non, c'est pas possible, ils vont dire c'est un petit peu difficile. Et en tant que Français assez franc, enfin, bon, je sais pas que les Japonais sont pas francs, mais on a une culture assez brutale de la franchise en France, et on peut trouver ça hypocrite, enfin voilà. On peut être étonné, par exemple, en japonais, il y a une phrase qui est assez connue, c'est shikataganai, ou shikatagarimasan, qui veut dire on ne peut rien y faire, il n'y a rien à faire. Donc, qui montre bien que les Japonais, devant une situation grave, ont une attitude de résignation, qui peut passer pour un manque d'énergie, mais c'est aussi ça qui leur permet de traverser des crises, parce que bon, bah, le monde est tel qu'il est, on se prend des tsunamis, des tremblements de terre sur la figure, mais on avance. Et d'ailleurs, en France, on a la formule c'est la vie qui est pas si différente. Ou encore en Finlande, il y a un concept très important qui est le sisu. Donc sisu, la racine, ça vient de sis qu'on retrouve dans certains mots comme sisalla ou autre, qui vient de l'intérieur. En gros, c'est avoir quelque chose dans les tripes. Et ça désigne la résignation, enfin pas vraiment la résignation, plutôt la résilience, voilà, c'est ça. Une sorte d'attitude qu'on encaisse les chocs, mais on y va quand même. Qui est bien l'attitude d'un peuple qui a toujours vécu dans un pays froid, avec des invasions de grandes puissances comme la Suède, la Russie, etc. Donc une attitude de battant face à la vie et vraiment de résistance un peu silencieuse, parce que les Finlandais sont connus pour pas beaucoup parler. Mais vraiment, ouais, c'est aller face aux dangers, aller face aux difficultés, encaisser les chocs, etc. Et si vous regardez ces exemples que j'ai donnés, les mots japonais, le c'est la vie français, le sisu, finnois, et vous en trouverez forcément plein dans la culture qui vous intéresse. Ce sont des mots qui ne sont pas traduisibles parce que ça représente la psyché, ça représente les points uniques d'un peuple, d'une culture, l'idiosyncrasie d'une culture, on pourrait dire. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas les traduire, vous ne pouvez pas plaquer du français sur du japonais ou du japonais sur le français parce que ça ne marche pas comme ça. Parce que non seulement la langue est différente, mais la culture est différente. Et d'ailleurs, ça se voit même dans la langue. Par exemple, en finnois, je prends un exemple que je connais bien, on utilise assez peu, enfin plus maintenant, mais dans la langue écrite, on utilise assez peu les pronoms personnels et on utilise beaucoup de formes passives. Ou alors en japonais, on va utiliser des formes qu'on peut trouver assez polies pour du français, où on va pas vraiment se mettre en avant,
Et on va dire par exemple, oui, c'est un peu difficile, au lieu de non, ce n'est pas possible. Donc la manière d'utiliser la langue elle-même est influencée par tout un tas de présupposés culturels, et ça remonte vraiment à la psychologie d'un peuple. C'est pour ça que ignorer la culture, c'est se mettre un obstacle définitif dans la maîtrise d'une langue. Alors votre mission en tant qu'apprenant, c'est non seulement d'étudier la langue et de la parler aussi bien que possible, mais aussi dès le départ de vous poser des questions sur la culture. Et comprendre que pour des raisons qui sont historiques, qui sont liées à plein de choses, enfin je vais pas entrer dans les détails dans cette vidéo, vous pourrez me dire si ça vous intéresse, mais par rapport par exemple à l'espace dans lequel vivent les gens, au type de climat, à l'agriculture qu'ils ont pu avoir ou moins d'agriculture, les gens vont avoir une psyché différente, une vision par exemple de la famille, de la société différente, des rapports interpersonnels qui vont être très différents par exemple de ce qu'on connaît en France. Par exemple, oui, les peuples nomades, les peuples agraires dans des milieux très, très riches d'un point de vue de l'agriculture, en fonction de la taille du pays, etc. Il va y avoir tout un tas de comportements qui peuvent être très, très différents. Par exemple, en Finlande, il y a peu de gens dans un territoire assez grand par rapport à la population, et c'est pour ça que eh bien, les gens ont tendance naturellement à s'espacer, ils vont pas se coller les uns les autres, alors que par exemple, si vous allez dans le sud de l'Italie, où il y a eu très tôt des assez grandes villes comme Naples, eh bien, les gens ont l'habitude, en tout cas en milieu urbain, d'être un peu collés les uns aux autres. Donc, par exemple, les Latins vont être plus tactiles. Bon, ça a d'autres raisons, mais il y a tout un échantillon, enfin, il y a tout un panel de raisons qui vont faire que la culture est différente, qui fait que c'est très difficile, en effet, de l'aborder correctement. Donc, les faux pas peuvent vite arriver. Mais après, ça va vous aider à comprendre, par exemple, pourquoi vous faites une blague dans une autre langue, elle fait rire personne. Ou alors par exemple des choses que vous pouvez dire qui vont être perçues très différemment. Vous pouvez même faire une remarque totalement anodine et là vous allez voir la personne en face de vous se vexer et vous faire la gueule pendant un jour ou plus. Et vous n'allez pas comprendre pourquoi, mais c'est parce que la manière de dire les choses n'est pas forcément la même et des choses qui peuvent paraître totalement simples en français, enfin qu'on a oublié tout de suite après, peuvent laisser des traces dans une autre langue. Par exemple, encore une fois en Finlande, si vous dites à quelqu'un je t'appellerai. Pour les Français qui sont assez désinvoltes, ça veut dire je t'appellerai un de ces jours. Pour un Finlandais, c'est dire je t'appellerai très vite, quoi. Ou alors, par exemple, quelque chose qui est très connu, c'est si vous dites à des Allemands, bon, on se donne rendez-vous ici à 17h. S'il y a des Allemands et des Français, les Allemands à 17h, ils vont être à l'heure, s'ils ne sont pas là déjà à 16h55. Et les Français, ils vont venir à partir de 17h. Il y aura souvent d'ailleurs le quart d'heure réglementaire, ce qu'on appelle le quart d'heure académique, qui vont venir un peu en retard, parce que même en France, c'est même presque un peu impoli de venir totalement à l'heure, parce qu'on a l'impression d'être trop en avance. Et vous allez voir des gens arriver à des heures différentes en fonction de leur culture. Donc, en plus de la langue, il faut vous adapter à ça, il faut être un caméléon. Par exemple, si en Allemagne, on vous donne rendez-vous à telle heure, faites pas le français en disant on m'a dit 17h, je viens à 18h. Essayez de faire très attention à ça, et si je peux vous donner un conseil pratique, trouvez-vous des alliés. Donc un allié, ça peut être quelqu'un qui vient d'un autre pays, enfin du pays qui vous intéresse, mais qui a quand même un vécu international. Donc par exemple, il a beaucoup voyagé, il parle français, etc. Ou alors quelqu'un qui est sur deux cultures, par exemple quelqu'un qui est à la fois français, à la fois du pays qui vous intéresse, donc qui va avoir du recul. Et qui va pouvoir vous expliquer tout ça, qui va pouvoir vous dire, en fait, ouais, les gens de mon pays font ça parce que, ou alors attention à pas dire ça parce que ça peut vexer, ou alors si tu veux faire cet effet, il vaut mieux que tu dises ça. Ou même vos amis locuteurs natifs, vous pouvez leur demander, bon, par contre, si je dis ça, est-ce que c'est normal? Si je dis ça, est-ce que ça passe? Comment est-ce que les gens se donnent rendez-vous? Etc., etc. Et en plus de ça, apprenez la langue en contexte. Ça va avoir deux avantages, c'est que vous allez mieux comprendre les nuances, c'est-à-dire que si vous arrivez à lire des livres, des articles, regarder des films, vous allez prendre des expressions toutes faites qui seront naturelles aux oreilles d'un locuteur natif. Vous allez voir comment les gens s'expriment, parce qu'on va pas, enfin, c'est pour ça d'ailleurs que la traduction est un art qui est très complexe, parce qu'on s'imagine que traduire c'est juste transposer d'une langue à l'autre, mais un traducteur qui fait ce boulot sait à quel point ça peut être difficile parfois pour une phrase qui a l'air totalement simple. Qui est totalement simple à comprendre, mais pour la rendre dans une autre langue, faut totalement inverser, enfin, ou modifier la manière d'exprimer les choses. Donc, ouais, voilà, ça c'est l'apprentissage en contexte pour avoir les bonnes expressions et aussi pour trouver le mot juste. Comme ça, vous apprendrez des expressions qui sont justes, vous apprendrez à bien manier le degré de politesse, trouver les bons équilibres, etc. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait une formation là-dessus sur l'apprentissage en contexte et de vocabulaire avancé d'expressions idiomatiques. Voilà, donc en tout cas,
C'est un sujet passionnant, hein, je pense que j'y reviendrai. Et je remercie Chloé de m'avoir donné la possibilité d'en parler à nouveau. Et intéressez-vous à la culture. Une langue, ce n'est pas qu'un résultat au TOEIC ou un examen comme ça. Ça va bien plus loin que des règles de grammaire, ça va bien plus loin que des verbes irréguliers, pardon, ou des phrasal verbs ou des choses comme ça. Même si c'est très important, encore une fois. C'est tout un univers dans lequel il faut s'immerger. C'est pas facile. Parce que bah, parfois on voit des choses qui peuvent nous sembler totalement extraterrestres. On peut mal prendre des comportements qui sont en fait pas méchants. Par exemple, il y a des peuples qui vont très peu sourire. Et donc ne pensez pas qu'ils sont méchants ou froids, c'est juste qu'ils vont peu sourire à des gens qu'ils ne connaissent pas. Donc n'allez pas en terrain conquis, n'allez pas avec vos gros sabots en pensant que vous savez tout. Ça demande une certaine humilité. Enfin, c'est pour ça, moi, j'aime bien apprendre les langues. C'est parce que c'est une école d'une certaine humilité, d'un certain art de vivre, qui consiste à développer une empathie, développer une capacité à comprendre l'autre et aller beaucoup plus loin que simplement des phrases d'aéroport très simples. Bah, encore une fois, un dernier exemple. En japonais, on apprend dans les méthodes à dire où est la gare ou où est telle chose, mais en fait, si vous demandez de manière aussi brutale à un inconnu, ça risque d'être un peu trop fort, donc il faut plutôt dire savez-vous où est la gare, des choses comme ça. Donc, encore une fois, ça permet de passer à un niveau basique, à un niveau avancé, et c'est ça qui va faire la différence finalement. C'est réduire la distance entre vous et les locuteurs natifs, même si ça peut être très difficile de vous faire accepter. Comme un national, hein, parce qu'il y a des pays, par exemple les pays asiatiques, bah, vous n'avez pas le faciès. Il y a des gens qui vont vous accepter, d'autres qui vont vous considérer à vie comme quelqu'un de différent. Mais malgré tout, c'est là qu'est la clé pour vous rapprocher des locuteurs natifs, pour atteindre un excellent niveau dans une langue étrangère. Et je vous invite à vous intéresser à la culture. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez voir le récapitulatif des autres articles et vidéos du carnaval d'articles sur ce thème, langue et culture. Il y a le lien dans la description et vous pouvez comme d'habitude vous abonner à la chaîne et télécharger mon guide en vidéo de 40 minutes, 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire qui va vous aider justement à vous lancer dans l'apprentissage d'une langue avec la bonne méthode. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!